princesse arrive et leur dit: je vais chanter une chanson pour vous, madame. Et paf, tout le monde s'évanouit. À cause de quoi? À cause de l'odeur dans sa bouche. La princesse sait qu'elle ne pourra pas se battre toute seule contre les pirates. Alors elle décide d'aller voir le copain sorcier de son père qui vit de l'autre côté de la forêt. Elle met ses baskets de compétition et elle traverse la ville en courant, la campagne en courant, la montagne en courant, la forêt en courant. Et elle entre dans l'immeuble du sorcier en courant. Elle monte au 180e étage en courant. Elle sonne à la porte. Le sorcier lui ouvre en peignoir. Ouais, c'est pourquoi. Le sorcier se bouche le nez et il lui dit: petite idiote, rien de tout cela ne serait arrivé si tu te lavais comme tout le monde. Et comme elle a perdu son Walkman en courant dans la forêt, elle est forcée d'écouter le sorcier et elle apprend enfin à se laver les dents. Et après, le sorcier fiche une sacrée raclée aux pirates. Non, il lui dit de se débrouiller toute seule parce qu'il n'a pas que ça à faire et qu'en plus c'est l'heure de son feuilleton à la télé. Alors elle redescend les 190 étages en courant. La montagne en courant, elle... Oui, on sait. La forêt en courant, la campagne en courant, la ville en courant. Hop, pas du tout. La princesse est fatiguée. Alors elle s'arrête dans la forêt, et là, qui sort de derrière les arbres? Mais vous suivez ou pas? Les caniches. Mais oui, les caniches. Maintenant que la princesse sent bon, tous les caniches qui s'étaient enfuis dans la forêt reviennent vers elle. Et c'est avec une véritable armée de caniches que la princesse arrive en ville pour combattre les pirates. Et alors, tous les caniches sautent sur les pirates et ils les mangent. Non, non, parce que les pirates leur donnent des croquettes et que les caniches deviennent gentils avec eux. D'accord. Mais alors la princesse chante une chanson et les pirates tombent amoureux d'elle. Pas du tout, la chanson fait remonter du fond des océans un super gros requin qui mange les pirates et leurs bateaux. Oui, et puis les caniches se jettent sur le requin et le mangent. Voilà, tout le monde se réveille et c'est la fête dans le royaume. Ouais, le roi et la reine mettent leurs beaux costumes. La princesse enlève ses baskets. Il y a des gâteaux et un orchestre. Et d'un seul coup, il y a une horrible odeur. Et tout le monde s'évanouit. Mais pourquoi? Mais je viens de vous le dire. La princesse a enlevé ses baskets.